Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay V18 sur le paramétrage des bases CSG. Nous verrons comment alimenter les bases CSG pour des rubriques de brut, des rubriques de cotisation comme les prévoyances ou les mutuelles, mais également des cas particuliers où, si par rapport à votre convention collective, il est précisé que par rapport à des prévoyances ou des mutuelles, il n'y a qu'une partie de la part patronale qui doit alimenter la base CSG, eh bien nous verrons le paramétrage approprié. Lorsque vous êtes dans le plan de paye de BP, vous avez donc par défaut des rubriques de CSG qui s'appellent cote CSG3, cote CSG2. Donc si on double-clique dessus, voilà, donc le paramétrage par défaut, effectivement, c'est dans la base en fait. Alors il ne faut surtout rien toucher. Cette variable-là, c'est une variable système, une variable de cumul qui s'appelle SCSG, qui est une variable propre à EBP. Dès que vous aurez alimenté des rubriques comme mettons la prévoyance, ou ici, vous voyez, part patronale soumis à CSG, donc vous mettez non abattu, donc ça veut dire que ça va alimenter la CSG, ça va alimenter tout seul cette variable système, qui s'appelait donc SCSG. Donc c'est vraiment très simple lorsque on veut alimenter la base CSG par rapport à des rubriques de mutuelle ou des rubriques de prévoyance. Il suffit tout simplement d'aller sur une rubrique de prévoyance et ici d'aller dans cette zone part patronale soumise à CSG et vous mettez non abattu. Si vous mettiez non, par exemple, ça veut dire qu'elle ne serait pas soumise. Alors, ça peut peut-être vous arriver d'avoir des rubriques de prévoyance qui ne doivent pas être soumises. Dans ce cas-là, vous mettez non. Quand vous voulez que vos mutuelles ou vos prévoyances alimentent la base CSG, il faut prendre non abattu. Et automatiquement, ça va alimenter cette variable système qui s'appelait SCSG, qui est par défaut dans les rubriques de CSG. Donc, vous avez la même chose, vous voyez, pour les mutuelles. Donc, ici, voilà, ici, vous voyez, vous mettez non abattu. Ça veut dire que forcément, ça va alimenter la base CSG. Autre cas de figure dans les rubriques de brut. Donc, si on prend un exemple, alors là, admettons, il n'y a pas de rubrique de prime. Si, admettons, voyons, j'allais sur le salaire mensuel. Voilà, vous voyez ici, par défaut, il y a marqué, admettons, voilà. Alors, effectivement, abattu, puisqu'il y a un abattement. Mais si vous y avez une rubrique de prime, eh bien ici, vous irez dans soumis CSG et vous prenez abattu non, ou non abattu. Donc, quand vous voulez soumettre des rubriques de brut ou de cotisation, c'est très simple pour les alimenter la base CSG. Là où il peut y avoir un cas de figure un peu plus compliqué, comme une prévoyance. Donc, si je prends l'exemple ici, nous avons une prévoyance où il y a un taux patronal de 2%. Et on va dire que au niveau de la convention collective, au lieu d'avoir 2% qui doit être soumis à la base CSG, eh bien éventuellement il doit y avoir que 1,50. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ici, en fait, vous allez mettre dans ce cas-là. Alors si on regarde la base CSG pour vous montrer qu'elle va bien changer, donc par défaut, elle est là. Vous voyez la base CSG, quand on a la part patronale à 2% qui est alimentée, la base CSG est de 1717,92. Donc maintenant, on va voir quand on va alimenter que 1,75. Donc première chose à faire, il faut dire que maintenant, ces 2% ne doivent pas être alimentés. Donc là, je vais dans part patronale, je mets non. Donc je fais OK. Quand je vais, voilà, déjà, quand je vais refaire calculer la base CSG, voilà, ici, elle a changé. Maintenant, ce que je vais faire, il va falloir que j'aille dans les rubriques de cotisation, je vais aller sur les rubriques de prévoyance et je vais dupliquer ma rubrique de prévoyance non cadre tranchat. Ou alors attendez, c'était une prévoyance. Voilà, c'était la prévoyance sur totalité et je vais la dupliquer avec le petit bouton double fiche. Voilà. Et ici en fait, alors je vais mettre qu'en fait, elle ne doit pas être, je dirais, elle ne doit pas passer ici, vous voyez, imprimer jamais. Et en fait, donc je vais mettre, donc comme elle ne va pas s'afficher, je vais mettre soumise CSG. Et ici, donc je vais mettre en salarial 0 et je vais mettre, admettons, 1,75.
En fait, le fait de mettre jamais, ça va être une rubrique intermédiaire qui va vous permettre d'être pris en compte dans des calculs, mais qui ne s'affichera pas sur le bulletin de salaire. Donc ici, je vais dire non abattu. Voilà. Alors par contre, donc là, effectivement, je vais décocher participation. Alors, où je le laisse cocher éventuellement, puisque si il est 1,75, ça pourrait être 1,75 au forfait social et 1,75 à la CSG. Donc je vais le laisser. Ici, j'enregistre. Donc maintenant, alors pour bien faire les choses, effectivement, il faudrait que je la mette dans le profil. Donc moi, ce que je vais faire, je vais la mettre juste dans le bulletin. Donc on va voir déjà la base CSG sans cette rubrique et on va la voir après avec cette rubrique et on fera un aperçu du bulletin et vous verrez qu'en fait elle ne s'affiche pas mais elle est bien prise en compte dans les calculs. Donc ici, donc hein, j'ai bien une base CSG de 1684,59. Je vais donc cliquer ici pour rajouter une rubrique. Donc c'est bien une rubrique de cotisation de humanisme prévoyance. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc maintenant je vais bien la placer. Donc là avec la petite flèche, voilà, je descends pour qu'elle soit bien au bon endroit. Je vais la mettre juste en dessous. Voilà. Et là je vais faire calculer. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, ma base CSG a bien été modifiée. Donc ça, il m'a bien pris 1,75. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est un aperçu du bulletin. Et là, vous allez voir qu'on ne va pas voir cette rubrique. Voilà. Si je regarde. Voilà. Vous voyez, on voit que la prévoyance sur totalité à 2%. On ne voit pas donc la rubrique intermédiaire. Et pourtant, ma base CSG est bien juste, mais il ne prend pas les 2%, mais il prend en compte uniquement les 1,75%. Voilà pour le paramétrage des bases CSG. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.